Dans le petit village de Kaiserberg, le boulanger Jean-Guil faisait le meilleur pain de la région. Un pain si délicieux qu'il était dégusté sur les meilleures tables de l'époque. Jean-Guil avait le bras suffisamment long pour pétrir la pâte, mais trop court pour beurrer ses tartines. C'était le drame de sa vie. Bouleversé de le voir dans cet état, les villageois décidèrent d'organiser une journée costumée pour lui rendre le sourire. Depuis lors, la tradition s'est perpétuée jusqu'à devenir une fête nationale. Aujourd'hui encore, tout le monde fête la Jean-Guil, sauf les Juifs, pour qui c'est toujours interdit.